première maladie génétique au monde et touche particulièrement les populations africaines, la drépanocytose affecte le sang et est traduite par des crises d'une intense douleur, une anémie et un risque accru d'infection. Elle a fait l'objet d'un exposé à l'école paramédicale Jean-Joseph Loukabou par l'association AISCD, Institut européen de coopération et de développement, qui organise depuis 2016 les activités de dépistage néonatal de la drépanocytose. Le dépistage de la drépanocytose, ce que nous pratiquons là, c'est le dépistage néonatal qui doit se passer pendant la période néonatale où l'enfant est encore à l'hôpital, à la maternité. Pour cela, les mamans sont déjà sensibilisées en amont. On demande leur consentement et quand elles donnent leur consentement, les infirmières sont là pour pratiquer les prélèvements. Les infirmières aussi ont été formées sur le prélèvement concernant le dépistage. Et les résultats finaux, c'est-à-dire ceux remis par le laboratoire biomédical, c'est ceux qui sont considérés. Les SS, ça se termine par une sensibilisation et nous sensibilisons les parents. Et pour les AS, ça se termine par une sensibilisation, on sensibilise les parents. Et pour les SS, on commence la prise en charge. À travers une boîte à images, les élèves ont eu des échanges fructueux avec la conférencière. Ces deux parents-là ont donné 4 enfants. La maman, pour ce premier enfant, la maman a donné soit l'hémoglobine bleue, soit l'hémoglobine rouge. Et le papa a donné aussi soit l'hémoglobine bleue ou l'hémoglobine rouge, qui a donné à cet enfant-là l'hémoglobine rouge et l'hémoglobine bleue. Leur premier fils est bleu, donc il a reçu l'hémoglobine A de son père et un hémoglobine A de sa mère. Voilà pourquoi il est tout bleu. Le deuxième est rouge, le deuxième et le troisième sont rouge-bleu. Donc, ils ont reçu l'hémoglobine rouge de leur mère et l'hémoglobine bleue de leur père. Vu qu'il est tout bleu, il ne fait donner que le bleu. Chaque année, près de 2% des nouveau-nés sont touchés par cette maladie et 50 à 75% d'entre eux meurent avant l'âge de 5 ans s'ils ne sont pas pris en charge. D'où il est conseillé aux couples de procéder à l'examen d'électrophorèse avant de se marier ou avoir des enfants.